Bienvenue à vous tous. La NASA aurait diffusé publiquement l'enregistrement d'une étrange musique, entendue et enregistrée par l'équipage d'Apollo 10, en mai 1969, lors de leur survol de la face cachée de la Lune, un moment de la mission où il n'y avait aucun contact radio avec la Terre. C'est la chaîne TV US Discovery, dans sa série Les dossiers inexpliqués de la NASA, qui l'affirme. La nouvelle est largement reprise, certains parlant de musique de l'espace, d'autres d'un cri d'un alien. L'astronaute Eugène Cernan, lui-même, témoin de ces sons, réfute ce que raconte le documentaire de Discovery. Il déclare « Je ne me rappelle pas que cet incident ait été suffisamment excitant pour être pris au sérieux. C'était probablement juste des interférences radio. Si nous avions pensé que c'était autre chose que cela, nous aurions informé tout le monde après le vol. Nous n'y avions guère pensé. » Un technicien de la NASA d'ailleurs cité dans l'émission de télévision du Discovery Channel, confirme l'évaluation de Eugène Cernan, que les radios des deux engins spatiaux, le module lunaire et le module de commande, interféraient l'une avec l'autre. Michael Collins, le pilote d'Apollo 11, est le premier à voler au-dessus de la face cachée de la Lune tout seul, pendant que ses coéquipiers Buzz Aldrin et Neil Armstrong exploraient la surface lunaire. Il s'est également rappelé avoir entendu des bruits étranges, mais ne leur accordait pas d'importance. Michael Collins déclare « Il y a un bruit étrange dans mon casque maintenant, un son étrange », écrivait-il dans son livre. « Si je n'avais pas été averti à ce sujet, j'aurais peut-être eu sacrément peur. » Heureusement, les techniciens de radio ont eu une explication pour cela, c'était des interférences entre les radios VHF du LEN et du module de commande. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. Hey, when do we fire the helium tanks? Not yet, babe. You want some more brownies? No. And that music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Richard. Yeah, it sounds like, you know, outer space type music. Hey, Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Yeah. Mine's all burned off. Heading out here, where are you, John? You might get thirsty in the future, Gino, so I'm going to fix you some grape juice. Okay? Boy, that sure is weird music. No. It's a whistling, you know, like an outer space type thing.